le background ninja. Full background. Alors, j'ai l'initiative, c'est normal, mais en même temps, j'ai pas besoin de prendre l'ini. Je vais quand même mettre l'abyssal. Ouais. En V1, je peux mettre le précurseur, ça m'arrive. Mais là, je préfère l'abyssal en 3v3. Donc, un ini 180 et un Eka 167. En vrai, je suis content. Je suis content. On pourrait s'attendre à de la rage. Mais non, mais vous vous rendez compte, j'ai des BL. Non, parce que si je perds, je peux dire que c'est pas de ma faute. Et si je gagne, je suis ultra heureux d'avoir gagné avec des levels comme ça. Et en face, niveau 200, 183 et 198. Bon, on va peut-être partir sur un focus upper. Le problème, c'est que je dois déjà maxel. Ils ont pas de soins en face. On va en profiter. Ok. J'avoue, j'étais un peu long, mais j'avais quand même pas envie d'Axel. On gardera l'Axel pour un tour prochain. On va laisser la retraite. Quand on jouait nu feu, retraite, c'est pas trop chiant. Retire-moi pas ma portée, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, mais bien sûr qu'il va me retirer ma portée. Il y a un PA qui traîne. Putain! Tu peux me debuff, Eni, STP? S'il te plaît. Si, parce que s'il me débuffe pas, ça va être chiant. Bon. Et c'est quoi comme Eka? Mais de un tour. Oui, t'inquiète. C'est un Eka qui joue... cadran de terre. Pour ce qui est du reste, je visualise pas trop là. En même temps, niveau 167, c'est dur. Je vais dire feu. Je pense, hein, parce que feu, ça t'apporte des résistances sans trop chercher à en avoir quand même. Coco Vertu, lui. Bon. Goriport Dasmob. Qu'est-ce qu'il a fait encore Dasmob? J'ai pas vu. Ah, t'es contre moi, Dasmob? Ah, c'est toi les nus! Ah, Dasmob, c'est les nus, là. Putain. T'étais obligé de faire ça? Ok. Non, en vrai, c'est cool. Après, il me protège. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Wow. Et ça, c'est un upper terre. Ok. Les petits tours empreinte manif. S'il avait l'air unif, là il nous mettait un 2000. Enfin, un 2000 en tout. Il mettait 1000 sur les cas, 1000 sur moi. Ouais. Et maintenant... on va se cacher ici. Enfin, se cacher. On est caché de Dasmob. Mais on n'est pas caché de Looper. Donc peut-être que Lenny pourra mot de fray si on joue distance. Ouais. Il n'y a que ça à faire. Laisse-moi tranquille, Dasmob, s'il te plaît. Tu fais jamais de FM, use. Je fais toujours mes FM 190+. Tout ce qui est en dessous de 190. Mes items... ouais, quand j'ai besoin de stuffer un perso 110 ou quoi, j'achète cash. C'est trop chiant la FM sur des items où t'as besoin de choper le puits. Quand c'est sur un item 110 ou vraiment c'est la perte de Kama. Et ça me rend fou. Bon, concentrez-vous. Il est pas du tout feu, contrairement à ce qu'on m'a dit. Vous êtes nul hein, pour devenir les stuff. Vous êtes nul. Donc il est terre. Et Kater, putain, qui fait mal, hein. En vrai, 500 x 2 en plus d'érodé à ce level, c'est top. Tu peux me redebuff,
STP. Attends, attends, parce qu'il va dépenser tous ses PA. Dommage. J'aurais bien aimé un nouveau debuff. Ouais. Ouais, ouais. Bon, là, on va lui mettre un deuxième ébène sur Super. Mais à côté de ça, faut faire gaffe. C'est pas ce tour-là le plus dangereux. Mais on peut vite prendre la sauce. Alors, lui, voilà, il va se cacher là. Très bien. Pour l'instant, il n'y a que nous qui tapons. Lui, il peut choper la Diago. Donc, je peux même Cupi, en fait, pour l'instant. Je vais me lancer de pièce. Tac, tac. Deuxième ébène posé. Et on se soigne. Pour l'instant, c'est full poke, hein, de toute façon. Là, t'as la Diago si tu veux, mais je sais pas si t'as la portée. Non, t'as pas la portée. Oh là 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 là, master ligne de vue. Bon, lui, il y a deux ébènes sur la gueule, hein, l'Upermage. Donc, deux ébènes à moins 600. En vrai, on a très peu de dégâts à lui mettre, hein, finalement. 1500 dégâts et il saute. C'est tour d'après. Tour d'après, c'est dangereux parce qu'il y a la Coco. On s'en souvient, le chat. Cupi, avant de se placer, le lancer de pièces, c'est ça? Ça rage. Ouais, bon, écoutez, c'est bon, quoi. Lancer de pièces à moins 50. Je me suis fait 70 sur le lancer de pièces. Je me suis fait 15 dégâts de plus avec la Cupi environ. Toujours à relever la faille. Ouais. Il tape pas. Ah putain. Bon, les ennemis, c'est bien de soigner, mais quand vous pouvez achever quelqu'un, faut le faire. Parce que le soin que vous faites va rarement être égal aux dégâts que le mec va mettre derrière s'il joue. Ah, c'est con. Donc 350 HP sur Looper, ouais. Ok. Il a full soigné. Il me fait peur quand même, Stupeur. Hein. Ah, il peut se soigner, il fait chier. Ah c'est con. Si, si, je vous assure, c'est dommage. Bon, lui, il a la Coco, je vais devoir le corrup. Ouais, on va pas charger l'ébène, pas besoin. On met la corrup. Toi, tu te fais pas tuer. Ah, Das Mob. Là, t'as misclick. Je reconnais, t'as misclick. Donc là, on va avoir un merde dans le chat, pop. Là, t'as misclick, Das Mob. Je pense que t'avais ta souris sur l'endroit où tu voulais aller en début de tour. Et quand t'as cliqué, vu que tu commençais ton tour, ça fait de la merde. Ça fait des fois ça, hein. Horrible ce bug. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Ouais, il a eu le bug. J'assure Looper. Ouais, pas besoin. En vrai, il peut pas taper le Yop, donc... S'il veut faire un truc, oui. Cool. Bon, c'est win. El Chato. C'est win. Alors, est-ce que t'aurais pu faire un truc d'As Mob? Je réfléchis, hein. T'aurais pu taper les cas. T'aurais pu soigner Looper et corrupt les cas. Et dans ce cas-là, ton Looper survivait. Parce que l'ennemi veut pas taper. On aurait pu faire ça, ouais. Enfin, surtout, il peut pas taper, là. Je pense qu'il a pas la PO alternative. Pardon Das Mob, tout est ma faute. Ok.
Je vois. Bon, on va faire un truc marrant. Enfin, marrant. Pas pour Dasmob. Mot de silence. Non, ça va pas être marrant pour toi, Dasmob, ce que je vais faire. Mais je suis obligé, là. Hein. Bah ouais. Bah, je suis obligé, Dasmob, au bout d'un moment. Fallait que je le fasse. Je bloque un petit peu les nids, hein. Vous aurez remarqué. Bon, du coup, on est à 3 là à taper Liop sans qu'il puisse faire grand chose. Ouah, lui, en retour dodo. Ah, il va se faire plaisir. Hein. Voilà. En vrai, ça va, sachant que le mec est 167 et qu'il tape sur un type qui a 22%. Bon, il est pas à poil, mais. Ça va. Franchement, il fait le taf, les gars. C'est cool. Est-ce que tu incites avec tous les stuff colis? Ouais. Enfin, tout. Regarde mon site. Il n'y a peut-être pas tout, il n'y a pas toutes les tranches. Mais c'est suffisamment vaste. D'accord. Je pensais qu'il y allait souffle, défaire les. Bien ruiner les cas, mais non. On sait bien, j'ai une de vue, je peux y debuff sa vita. Il y aura un ébène sur la tronche. Ouais, normalement il meurt. Bon, la map était avec nous. Hein. Alors, le move de nu, c'était un misclick? Oui, c'était un 100% misclick. Mais Dasmob, ça sert plus à rien à la retraite, là. Il est bête. Alors, le site est bien fait, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas les stuffs multi. Les stuffs multi, le truc, c'est qu'on met plus trop de stuffs multi hein, maintenant. Il y a eu à nouveau des persos multi avec la mage Steamer et à nouveau des persos multi avec la mage Upper. Pour l'instant, j'étais au plus simple sur le site. Donc mettre les modes les plus efficaces et les plus demandés. Peut-être que je pourrais en mettre. Hein. Ce week-end, je vais essayer de faire un refresh des stuff farm et... Enfin, de certains stuff farm et des stuff 200. Surtout, en fait, c'est surtout la voie haut où c'est difficile d'avoir des standards. Bon, bah on va attendre. Parce que la voie haut d'une classe à l'autre, le stuff change complètement. Alors que feu c'est toujours la même chose. Quasiment. C'est soit double Niesa, soit double Volcorn. R, c'est toujours double WV, ceinture, menoture, etc. Terre, c'est soit double Volcorn... Soit double corruption, en fonction du budget, mais en fonction de la classe aussi. Alors que oh, c'est pas facile. Hein. Ouais, Benzi. C'est les dragodindes, en fait, qui posent problème sur les stuff farm. J'ai mis souvent de l'ivoire. Alors qu'il faudrait que je mette de l'amande. Ouais. Bah, beau combat, enfin c'était marrant en fait. Le combat, la map est totalement avec nous. Là, c'est sûr. Bah, dans la mesure où ils ont juste une classe mêlée et nous trois classes, on peut faire les trucs à distance. Et Lenny, c'est même plus que faire les trucs à distance. Lenny, il peut soigner ses alliés quand il a rien à faire. Forcément, ça fait très mal.